En cette période de pluie, prudence dans la conduite. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Mme Traoré Zeynabou Diop, rappelle aux usagers de la route quelques règles de sécurité à respecter en cas de pluie. Allumez vos feux de croisement pour que vous soyez vus par les autres usagers de la route. Aérez la cabine pour éviter la formation de la buée sur vos vitres. Contrôlez régulièrement l'état des lave-glaces, des essuie-glaces, des pneumatiques et de l'éclairage. Évitez de surprendre les autres usagers. Pour cela, il est recommandé de ne pas freiner brusquement et de préciser suffisamment à l'avance ses intentions de changement de direction à l'aide du clignotant. Lorsque la visibilité est réduite, adaptez votre vitesse à l'ampleur de la pluie, en rase campagne ou en agglomération. Au pire des cas, s'arrêtez. Augmentez les distances de sécurité en maintenant un espace suffisant entre votre véhicule et celui qui vous précède pour assurer un arrêt sans risque en cas de problème. Les déplacements doivent être effectués avec prudence lors des alertes météorologiques. En cas de stationnement, utilisez le triangle de présignalisation et l'éclairage du véhicule pour éviter de surprendre les autres usagers. Par temps pluvieux, le risque d'accident est multiplié par deux. Le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, Mme Traoré Zeynabou Diop, compte sur la prudence de tous sur les routes en cette période d'hivernage.